Bonjour, comment ça va? Dans cette vidéo, on va lire et comprendre un texte. Tu es prêt? On y va. Regardez l'image. Comment elle est croquine? Croquine, c'est la dame. Comment elle est? Très bien, elle est grande et grosse. Regardez les cheveux. Comment sont les cheveux? Elle a les cheveux courts et châtains. Très bien. Regardez, les cheveux sont courts et châtains. Courts, yani sar. Châtains, yani castanay. Regardez la bouche. Comment est sa bouche et son nez? Bravo. Elle a une grande bouche et un petit nez. Très bien. Regardez, qu'est-ce qu'elle porte, Croquine? Est-ce qu'elle porte une robe? Bravo. Non, elle porte un manteau blanc. Elle porte un manteau blanc. Regardez bien l'homme qui s'appelle Croquin. Est-ce qu'il est grand? Non, très bien. Il est petit et maigre. Regardez, il est petit et maigre. Regardez comment sont ses cheveux. Bravo, il a les cheveux bruns, lents. Regardez comment ils sont lents et frisés, comme ça. Il a les cheveux lents et frisés. Très bien. Qu'est-ce qu'il porte? Bravo. Il porte des vêtements jaunes. Il porte des vêtements jaunes. L'homme s'appelle Croquin. La dame s'appelle Croquine. Je commence la lecture, suivez avec moi. Croquin et Croquine. Ma tante est une grande dame très grosse. Elle a les yeux marrons, les cheveux très courts, châtains. Elle a une grande bouche et un petit nez rouge. Elle portera un manteau blanc et une écharpe rouge. Mon oncle est petit et maigre, les cheveux sont bruns, longs et frisés. Il a de grandes dents, il porte toujours des vêtements jaunes. Maintenant, c'est ton tour. Lis les deux paragraphes. Je commence la lecture, suivez avec moi. Croquin et Croquine. Ma tante est une grande dame très grosse. Elle a les yeux marrons, les cheveux très courts, châtains. Elle a une grande bouche et un petit nez rouge. Elle portera un manteau blanc et une écharpe rouge.
Mon oncle est petit et maigre. Les cheveux sont bruns, longs et frisés. Il a de grandes dents. Il porte toujours des vêtements jaunes.